Bonjour, aujourd'hui je vous présente comment on fait pour inviter une personne de l'extérieur à participer à une réunion Teams avec nos étudiants. Vous allez voir, c'est simple. On va commencer par ouvrir Outlook. Dans Outlook, on va créer une nouvelle réunion. Dans la fenêtre de la nouvelle réunion, je vais y donner un titre qui s'appelle « Conférence ». Je vais inscrire en fait aussi la classe qui doit participer à cette réunion. Ensuite, l'adresse courriel au complet de la personne que je veux inviter de l'externe. Je choisis ensuite une heure, une date, et je vais aller dans les options de la réunion. Il y a un furteur qui va s'ouvrir avec les options. Ça va me permettre de décider qui peut éviter la salle d'attente de la réunion. Dans ce cas-là, je pourrais choisir les membres de mon organisation et l'invité, ça veut dire mes étudiants et l'invité. Ensuite, je fais enregistrer. Sinon, je peux choisir seulement que les membres de mon organisation, c'est-à-dire mes étudiants seulement, et c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je ferme la fenêtre des options. J'envoie mon invitation. Le jour de la conférence ou de la réunion, je vais donc cliquer sur cette conférence-là qui s'affiche dans mon calendrier. Je vais faire « Rejoindre la réunion » et avec le son de mon ordinateur, je vais décider de « Rejoindre maintenant la réunion ». Une petite cloche se fait entendre lorsque l'invité en question veut entrer et je peux afficher la salle d'attente et avec le crochet, confirmer son admission. Vous allez voir donc la personne se joindre à la réunion avec vos étudiants. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que le petit tutoriel vous aura aidé et vous sera utile. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une belle journée.